Hello, hello, bienvenue sur cette petite vidéo. Une routine intervalle training hein, de 30 minutes, voire plus, on verra bien. Il vous faut une paire d'haltères, une bouteille d'eau. Alors, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Adaptable, je montrerai si vous trouvez que c'est trop intense et que vous avez besoin quand même de faire votre séance, mais hein, un petit peu à votre sauce pour quand même brûler des graisses. On commence déjà sans musique. On va écarter les jambes et on va vers le bas d'un côté et de l'autre. Encore. On souffle. Allez, même chose. 4 vers le haut. 1, 2, 3, 4 et vers le bas. 1, 2, 3, 4 encore vers le haut. Hop. Et encore une fois vers le bas. 1, 2, 3, 4. On reste ici en squat. Allez. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ici, on revient, on touche les chevilles pour 1, 2, 3 et les genoux pour 4, 3, 2, encore une fois. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, la dernière. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Pour les bras, dessus, dessous. Allez, on ouvre bien. Encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on ramène petit rond d'épaule. Hop, et c'est parti. Premier exercice. On place ici nos haltères. Alors, si vraiment c'est trop lourd, hein, des haltères moins lourdes ou pas du tout, puisque c'est surtout ici où il va falloir garder les bras tendus, où ça peut peut-être solliciter. Donc une première fois, tu viens face à moi, comme si on tirait à l'arc, un bandage arc. J'ouvre bien en seconde, je reviens et je place là-haut et je ramène à nouveau. D'accord? Tirage et je recommence et je change de côté. Je me mettrai de l'autre côté pour vous accompagner. C'est parti. Allez. Place. Four, three, two, one. Allez, place. Let's hop. Do this. Et là-haut. Allez, même si la musique est rapide. On essaye quand même de garder la technique, la profondeur et la sécurité. Et je change de côté. Et c'est reparti. 3, 2, 1. Et je rechange. Four, three, two, one. Push your limit. Four, three, two, one.
Allez. 4, 3, 2, 1. Reviens. Allez, cherchez la profondeur. Dernier. On s'accroche. 4, 3, 2, 1. Donc, je vais quand même bien vers l'avant, puisque je pose, hein, à chaque fois, je vais vers l'avant. Je ne me sers pas du dos, hein, c'est vraiment, je descends, hein, c'est à ce prix-là, hein, que le bas de corps va travailler, hein. On ne fait pas ça, hein, parce qu'à un moment donné, ça n'ira pas, hein, même si ça brûle, il faut quand même, hein, bien utiliser le bas de corps. Allez. Pause, allez à votre allure, mais utilisez bien. Allez, vers l'avant. Si on a fini à un moment donné, on les laisse, hein, on les reprend bas et on repoursuit là où on était. 3, 2, 1. On souffle. Allez, on n'est pas tenté d'utiliser le dos. Bien. Encore. 4, 3, 2, 1. Allez, ça chauffe. On continue. 3, 2, 1. Et on va bien vers l'avant. Hein. Pas sous soi. On parcourt quand même. Hein. Four,
3, 2, 1. On va avoir besoin d'une seule haltère. C'est là, si tu veux pas, tu sautes pas, je te montre hein, l'adaptation. Évidemment, hein, c'est des petits sauts, hein, mais ça fait monter le cœur et ça fait brûler. Donc, si je saute, je passe l'haltère entre, je referme, jump, jump, en gardant l'haltère au plafond, d'accord? En bas, jump, jump, c'est vraiment, hein, c'est petit, hein. J'ai décollé les talons, j'ai sollicité les mollets. Ça ne va pas, je saute pas, hop, je décolle. Je replace, pouf, pouf, simplement, juste ça. Mixez peut-être les jambes, c'est vous qui voyez, c'est parti. On descend bien, hein, pareil, hein. Pas le dos. Hein. Et on tend bien les bras au plafond. Allez, ça sollicite les mollets, les cuisses, les fesses, les bras. Allez, on lâche pas.
dernier. Ok, prochain, une seule haltère à nouveau. Pareil, on utilise bien le bas de corps. Assez bébête, je plie bien au squat, je passe dessous et je chasse. D'accord? Donc à chaque fois, je vais changer de jambe. Si tu ne veux pas chasser, des step touch très rapides. Et je reviens à nouveau à la base. Ok? Prenez le tapis en repère, dessous ou derrière, dessus, pardon, ou derrière, pour savoir que vous avez suffisamment parcouru de distance. On y va? Allez. Wow.
Allez, le prochain, comme ça, sous forme Tabata. Les prochains, les derniers, on le fera sans musique pour privilégier plutôt la technique, hein, plutôt que se faire mal, suivant le mouvement. Alors, pour finir ici, sous cette formule, pareil, si tu ne veux pas sauter, le début est pareil pour tout le monde. J'ai les jambes fléchies, serrées, 4 jabs, hop, d'accord, j'ai pas trop le temps, hein, de tendre le bras, puisqu'il faut me dépêcher. Option 1, je peux sauter, ouvre, ferme, et c'est reparti. Option 2, j'ai pas envie, hop, les 4 sont rapides, je ferme. Mais t'as vu, toujours dans le sol, pas de choses raides, on protège les genoux, on protège les articulations. Hein, le jab, poum, 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 hein, j'ai pas le temps de déplier, hein, je veux y aller rapide. Ok? Allez. Allez, c'est bien. C'est chaud. 4, 3, 2, 1. Break through now. Ah, et si on va sauter, boum boum. Et on se serre les abdos. Hein. Allez, dernier, on s'accroche. 4, 3, 2, 1.
hydratez-vous. Buvez. Allez, il nous en reste deux qu'on va faire sans musique pour la sécurité. Pour la technique. D'accord. Ici, vous avez un exo vraiment pour les bras, le dos. Donc, si sur la posture que je vais montrer, vous n'arrivez pas à la tenir, on le fait sans haltère. D'accord. Parce que ce n'est pas quand même évident de maintenir. Hein. Donc, ici, tout bêtement, vous partez avec, dans un premier temps, les haltères sont tournés vers moi. Ok. Et si je me mets de profil, vous allez tendre les bras et tâcher de les ramener, hein, c'est là que c'est dur, tâcher de les ramener au niveau des oreilles pour tirage coude, revenir et tendu à nouveau et je redresse. Ok. Donc, peut-être que vos haltères sont moins lourdes et peut-être que vous y parviendrez, c'est vous qui le voyez. Mais en tout cas, je sors bien les fesses, le dos est plat, je ramène, je fléchis, je reviens et je repasse. Si c'est pour arriver ici, aucune utilité, vous allez vous faire mal, d'accord? Si ça reste là, etc., ça va finir par tirer sur la nuque. Donc, dans ces cas-là, on ne prend rien, hein, on prend rien, on maintient bien, je peux ramener, tirage, je reviens, je redresse et je replace. Hein, vaut mieux privilégier technique, hop, ici, on est sûr d'engager les muscles posturaux, plutôt que se faire mal au cervical, au dos, etc. Et ça viendra au fur et à mesure. Ok. Surtout, pensez à ça. Hein. Si c'est pour aller là, ça ne nous intéresse pas. Allez. Du coup, on ne met pas à une durée. Juste, on va faire plusieurs répétitions. Et donc, du coup, je reste profil. Hein. Je me décale un petit peu. Je ramène. Tirage. Hop. Je retourne les paumes de main dans l'autre sens. Je gaine. Et je me redresse à ce moment-là. Encore. Je ramène. Tirage. Je reviens. Et je redresse. Encore. Dans le sol. Ramène. Tirage. Je reviens. Et je replace. De nouveau. Sol. Ramène. Tirage. Et je reviens. On continue. Allez. Ramène. Tirage. Allez, on tient le choc, on a bientôt fini. Allez, encore 7. Oui, je sais, ça paraît long. Allez, hop. Et je reviens. Et je ne lâche pas hein, l'engagement du centre. Encore. Et 6. Reviens. Et ramène. Encore. Et 5. Hop. Tirage. On ne lâche pas pour celles qui ont les haltères. Hein. Encore. Et 4. Tirage. Et je reviens. Encore. Et 3. Allez. Il en reste 2. Et 2. Hop. Je souffle bien. Oui, ça pèse lourd. Et la dernière. Hop. Tirage. Et je replace. Hein, on fait vraiment attention. Un dernier ici. Pareil. Hein. On ne va pas compter spécifiquement les nombres de répétitions. Ça va déjà assez solliciter. Je vais garder mes haltères. Ok. Et puis d'ici, je vais me placer en squat. Squat, je tends les bras devant. J'ai les haltères dans le sol. Hop. Je descends ici quatre pattes. Alors, soit je garde cette option, soit c'est trop dur. Il faudra que je pose les genoux. Tirage coude. Hop. Pour de nouveau revenir en squat. Et repartir à nouveau. Sinon, de nouveau ici, tirage, tirage, et je ramène. On est bon? Allez, on termine sur 8 répétitions, on y va. Devant, hop, je place, tirage, et tirage, et je ramène. Encore, et 2, hop, tirage, tirage, et je reviens. Encore, et 3, hop. En bas, tirage, tirage. J'écarte plus ou moins les jambes. Et 5, hop. Allez, tirage. Allez, courage, on ne lâche pas. Ça brûle, je sais. 5, hop. En bas, tirage. Et 6, je reviens. Hop, tirage.
Allez, et 7. Ramène. Et la dernière. Et 8. Je reviens. Hop, tirage. Tirage. Et je pose tout. Et je souffle. Ouh. Bravo. Allez, on étire. Hop, on reste ici. Tu ramènes un pied devant. Et j'étire le muscle de la hanche. Je reste bassin vers le sol. On reste, on souffle, on souffle. On récupère en même temps. Allez, là on revient. On va se mettre vers l'arrière, le pied flex. Tu vas placer les bras au plafond, allonger le dos. Et là, en fait, quand tu reviens sur la jambe, tu diriges, si tu peux, les deux mains plutôt vers l'extérieur pour étirer les ischios. Si c'est trop dur, hein, je reste plutôt dans l'axe, mais ce sera encore plus efficace en venant sur le côté. D'accord ? Je refais ça encore un petit peu. J'allonge, j'étire, 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 j'étire. Hop ! Et je reviens à nouveau sur le côté. Tu reviens tranquillement. Hop, et tu changes de jambe. Je reviens à nouveau devant. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la piscine. Hop. Allez, on reste, on étire. On pousse bien. De nouveau, tranquillement, tu viens vers l'arrière. Tu étires, tu allonges le dos, tu te grandis au maximum. Et de nouveau, hop, je vais plutôt en extérieur. Et je maintiens. Allez, encore une fois, je reviens, je redresse, hop, et de nouveau, je retourne sur la jambe. Et je reviens tout doucement, on tend un bras devant, on ramène, on ferme. Allez, bravo, parce que c'est pas toujours facile. Je mets une main sur l'épaule. Et je vais ramener triceps derrière. Je reste, je reste. La main dans le trou. Et tu ramènes exagérément triceps vers toi. Je vais relâcher tout doucement. Et tu finis de l'autre côté. Tu tends. Tu ramènes. Tu ramènes sur l'épaule. Et dans le trou, et tu reviens. Et vous pouvez relâcher tout doucement. Allez, j'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à la refaire. Et je crois qu'on a bien mérité la douche. À la prochaine.